On a tous vu ces images d'une ville dévastée, à la fois une ville héroïque, puisque c'est ici que les Ukrainiennes et les Ukrainiens ont arrêté l'armée russe qui descendait sur Kiev. Et donc il faut se représenter l'héroïsme de l'armée, mais aussi de la population ukrainienne. Et nous continuerons ce soutien dans la durée sous toutes ses formes. Il y a aussi le soutien politique, c'est ce que nous avons voulu faire en venant ici à 4, pour à la fois nous rendre compte, témoigner de notre respect et de notre admiration pour le courage des Ukrainiennes et des Ukrainiens, et pour pouvoir avoir cet échange avec le président Zelensky et parler de la suite.